Regarde Nobo, mon nouveau bateau à 500 000 euros, mec. On va donc pouvoir maintenant aller en Amérique pour avoir des belles vacances. Ouais, et regarde, j'ai pris tous mes bagages en plus avec moi. Et regarde, il y a que des chaussettes à l'intérieur. Bon mec, c'est parti, on a pour 30 jours de navigation pour arriver à Los Angeles. Let's go. Let's go. Ok Nobo, je sais pas ce qui se passe, mais là regarde, il fait noir, il fait nuit. C'est notre premier jour de navigation. Et je vais pas te mentir que je commence à regretter, mec, ça fait trop peur Nobo. Et c'est carrément horrible juste ici, c'est carrément lugubre. Mais par contre, pourquoi il fait si froid ici? Attends, on est dans le triangle des Bermudes, non? Oui, c'est le triangle des Bermudes, mais mec, regarde, y'a pas de cailloux. Et gros, y'a plus de conducteur dans le bateau. Y'a plus de conducteur. Oh non, c'est pas possible, mais comment on va faire? Gros, je viens de voir une baleine. What? Oh, c'est quoi cette histoire? Mais gros, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, juste là. Oh, ma tête. Oh mec, gros, t'es où? Waouh. Nobo, non, mon bateau, mon tout nouveau bateau, non. On vient de se cracher, Nobo, regarde. Attends, on vient d'arriver sur une île déserte. Oh non, Nobo, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mec, regarde juste là-bas, il y a un énorme crâne. Mais attends, mais c'est quoi cette horrible île? Oh non, c'est pas possible, les gars, comment on va faire? Notre but, c'est de s'échapper de cette île. Attends, mais on est clairement dans le triangle des Bermudes, Nobo. J'espère qu'on va réussir à s'échapper le plus rapidement possible. En tout cas, les gars, si vous voulez qu'on s'échappe le plus rapidement possible, mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Nobo, il faut mettre combien de pouces bleus? Au moins 60 000 pouces bleus, ou sinon on restera bloqué dans le triangle des Bermudes à vie. Regarde mon pauvre bateau, il est clairement en feu. Bon Nobo, il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen de s'échapper. Oh juste là, regarde, ça commence juste ici, il y a des lollipads. Hop. Oh, oh. Oh, ok, je suis sauté dessus. Mais gros, mais tu sais qu'apparemment, il y aurait personne qui a réussi à s'échapper du triangle des Bermudes? Non, genre, il n'y a jamais personne qui a réussi à s'échapper des triangles du Bermude. Ouais, mais bien sûr, c'est vraiment trop compliqué, il paraît. Mais bon, nous, on est quand même plus doués qu'eux, donc on va quand même essayer de s'échapper. Oh, ok, je passe. Mais regarde, il y a des torches. Ça veut dire qu'il y a des gens habitent sur cette île. Gros, mais attends, imagine, c'est des indigènes mangeurs d'hommes et d'humains. Oh, ok, il y a une grotte, j'ai carrément envie d'aller la découvrir. Imagine, il y a un ours mangeant d'enfants mais de moi, je te les conseille, gros. Il y a un crâne juste là, mais franchement, je. Tu m'entends, Nobo? Jean-Fils, retire les cailloux. Gros, c'est trop... Waouh, mais attends, mais il y a un immense caillou qui t'a bloqué. Non, mais je vais pas réussir à rentrer avec toi. Mais oh, c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Mais gros, mais je vais rester enfermé ici à vie. Mais viens m'aider, j'en supplie. Mec, il faut absolument que j'arrive à trouver un moyen de te sauver, gros. Oh non, c'est pas vrai. Mais gros, mais je suis carrément enfermé. Mais est-ce que t'as trouvé quelque chose ou je sais pas? Attends, j'ai l'impression d'avoir trouvé un espèce de temple. Oh, juste ici. Attends, j'ai quoi dans ce temple? Ok, moi c'est bon, j'ai pu avancer. Mais gros, il y a des énormes requins en dessous de moi. Non, t'as quand même pas des requins, mec. Oh là là. What? Attends, je suis dans un endroit très sombre et très lugubre. Wow. C'est quoi ça, mec? Je suis dans un espèce de temple. Ok, mais moi je sais pas, j'ai avancé et il y a de l'eau qui est en train de m'étouffer, gros. Oh non, non, t'es en train de t'étouffer, gros. Gros, je suis en train de m'étouffer. Il faut vraiment que tu trouves un moyen rapide de me sauver la vie. Ah, en fait, attends, j'ai des questions, on doit répondre. Mais comme c'est en anglais, je comprends rien, gros. Attends, Gros, j'appuie sur n'importe quel bouton et ça fonctionne, ok. Alors, Non. Je suis en train de me noyer. T'es en train de te noyer? Ok, c'est bon. Oui, je vais ouvrir la prochaine porte. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, Nobo? Je ne sais pas. Oh non, ça c'est incorrect. Oh non, allez. Hop, non, c'est incorrect. T'es mort? Oh, vite, viens me sauver. Je t'en supplie, vite. Attends, mais j'appuie sur tous les boutons, gros. Je fais ce que je peux, mec. Mais gros, mais tu fais pas des portes. C'est bon. Ok, gros, comment je fais? T'as tout ouvert, c'est bon? Ouais, il y a une porte qui vient de s'ouvrir devant moi, mec. Attends, parce que je comprends pas ce que je suis. Oh, ok. Tout se passe bien? Je viens de sortir. T'es où? Ah ben moi je suis en face d'un espèce de... Oh, ah mais ça bouge. What? Attends, je suis sur un truc qui... Oh, attends. What? Attends, c'est quoi ça? Attends, j'arrive, Nobo. Mais attends, mais c'est pas possible. En fait, cette île est clairement habitée, en fait. Mais attends, mais oui, mais c'est sûr que c'est habité par des vilains indigènes, c'est clair. Oh non, je déteste les indigènes. Quand on parle d'indigènes, j'ai toujours des indigestions. Hop là. Non, mais toi, tu sais me dire ce qui se passe de ton côté, mec? Mais là, je suis clairement en train de faire un détrenage. Oh. Oh, allez, mais viens me sauver, mais je suis enfermé, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète pas que je vais te sauver, je suis ton ami sauveteur. Attention, oh, c'est quoi ça? Oh, c'est bon. Ah, je suis arrivé, let's go. Ah, je suis trop content, t'es enfin là, j'avais vraiment très peur. Attends, mais là, il y a un bouton que j'ai pas appuyé depuis tout à l'heure, c'est quoi ça? Oh, c'est un levier, mec. Non, mais fais gaffe, ça active des pièges, hein, surtout. Oh non, mais gros, t'as activé, il y a un bonhomme juste là, regarde. Mais gros, il suffit d'éviter. Ok, là, il a ouvert une pièce. Oh, mais attends, mais on peut monter là. C'est quoi ça ici? Oh, il y a un bouton, gros. Il y a un bouton, attends, j'ai cliqué sur le bouton. Ok, attends, fais attention, gros monsieur. Ok, c'est bon. T'inquiète pas, je ne vais pas toucher les gros monsieur, hein. Hop là, juste ici. Oh, mais gros, mais tu t'es pris un truc en plein dans le museau. Comment ça, je me suis pris un truc en plein dans le museau? Je n'ai absolument rien vu, je suis décédé, t'es en train de me dire. Ah, okay. Mais gros, non, il y a une pierre écrasante en vous. Ah oui, j'avais pas vu. Allez, cours. C'est okay, quoi ça? Hop, je saute. Mais gros, mais c'est des pierres maudites en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on les touche, on meurt. T'es mort, gros, devant moi. C'est complètement ridicule là. Oh non, allez, il faut absolument pas.
pas que je me fasse toucher. Mais j'ai vraiment trop peur. Mais c'est quoi cet endroit, gros? On est clairement sur une île déserte qui n'est pas très déserte. Attends, je peux désactiver les obstacles. Ok, c'est bon, j'ai désactivé les obstacles. Tu vas bien, Nobo? Non, tu vas pas bien, non. Il y a le gros qui arrête pas de bouger. Mais attends, mais pourquoi il bouge plus là, du coup? Mais attends, mais t'as fait quoi? Mais j'ai désactivé les obstacles, mec. Je les ai freeze. Ah, bah oui. Ok, c'était là. Mais du coup, je peux tout passer tranquillement. Ok. Bon, ici, gros, mais on va pas traverser la cascade d'eau quand même. Mec, il faut absolument qu'on traverse la cascade d'eau. Par contre, il fait très très froid. Bon, je vois rien. Ah, je suis dans l'eau froide. Gros, on est ressorti. On est ressorti. Ok, mais attends, mais oh non, il fait nuit, gros. C'est pas possible. Attention, il y a une hutte. Regarde une hutte. Oh, elle est sympa la petite hutte juste ici. Hop, attends, vas-y. Moi, je rentre dans la hutte. Ah. Vas-y, ouais. Et attends, gros, mais moi, je ne peux pas rentrer. Problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un champ magnétique qui m'empêche de sortir. Un champ magnétique t'empêche de sortir. Attends, mais moi, il faut que j'aille où, mec? Gros, vite, trouve un moyen de me sortir de là. Je suis bloqué dans une hutte. Attends, mais moi aussi, je suis dans une hutte, mec. Attends, j'ai une hutte avec des flambeaux de couleur, mec. Ok, attends, mais peut-être que ça va allumer les flambeaux devant moi. Attends, je vais activer un levier. Attention, j'ai activé, mec. Ok, rouge. Quoi, rouge? Ah, ok, je dois activer. Vert. Ok, vas-y, mec. Rouge. Oh, bah, rien. Bleu. Oh non, mais c'est. J'ai peur. Rose. Ok, rose. Rouge. Rouge. Mauve. Ok. Vert. Oh, mec, je stresse. Bleu. Oh non, c'est pas possible. Rose. Rose, ok. Rouge. Rouge. Mauve. Mauve. Bleu. Mec, ça se termine quand, mec? Rouge. Oh non, c'est pas possible, je stresse. Rose. Rose, ok. Rose. Oh, deux fois rose, mec, t'abuses, ouais. Mec. Ouais, mauve. Mauve. Rouge. Rouge. Bleu. Mais t'arrêtes pas là, Nobo, tu me trolles quoi? Rose. Rose. Rouge. Oh non, mais tu trolles, gros. Et y'a plus rien. Y'a plus rien qui se passe chez y a moi. Y'a plus rien. Ok, je peux rentrer le code et peut-être que ça va nous aider à nous échapper. Mais clairement, cette île est complètement maudite, Nobo. Oui, mais s'il te plaît, rends-moi ce code et dis-moi que c'est le bon code. Oui, c'est bon, c'est le bon code, mec. Let's go. Oh, y'a un coffre qui m'est tombé en plein sur le crâne. C'est quoi cette histoire? Attends, mais je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Y'a quoi à l'intérieur du coffre, mec? Gros, j'ai trouvé. Oh, t'as une hache. Tu viens de trouver une hache, gros. Waouh! Qu'est-ce que je fais avec une hache? Mais attends, mais je vais te couper la tête pour te manger! Non, non, mais avec une hache, à mon avis, on doit sûrement casser du bois! Attends, regarde juste là, il y a un flambeau peut-être qui va nous aider à savoir ce que nous devons réaliser, Nobo! Alors, nous allons devoir construire un radeau! Oh, ben oui, c'est la meilleure des idées, Nobo, pour pouvoir retourner en Belgique, là où on provient et où on est né! Ben oui, mais clairement, c'est ça, mais pour construire le bateau, il faut de la corde, du bois et du papier! Oh non, ben le papier, t'as toujours du papier toilette sur toi, est-ce que ça suffit ou pas, mec? Ben non, le problème, c'est que j'avais vraiment faim et je l'ai mangé tout à l'heure. Oh non, mais t'abuses, Nobo le Babolet. C'est complètement improbable ce que tu es en train de me raconter. Du coup, attends. Alors, pour récupérer du bois, ben, ça tombe bien. Tu viens tout juste de récupérer une hache, mec. Oui, d'accord, oui, mais tu penses que je peux aller récupérer du bois où, du coup? Mais regarde, là, il y a des arbres. Vas-y, récupère le bois juste ici, mec. Ok, attends, je vais casser l'arbre, hop. Vas-y, vas-y, casse-moi l'arbre, comme ça on a du bois tous les deux pour notre radeau. Ok, oh, c'est bon. Nice. J'ai du bois. Attends, j'ai des grosses bûches, j'allais les déposer là-bas. Attends, je vais les déposer près du radeau. Va les déposer, hop. Moi je vais chercher après la corde et après, bien sûr, le bout de papier. Ok, mec, je viens de trouver. Attends, mais mec, je viens de trouver des blobs ici. Il y a des blobs qui forment un rond. C'est sûrement une indication, gros. Gros, t'aurais pas une pelle ou quelque chose comme ça ou ta casquette peut-être qu'on pourrait utiliser comme pelle? Ah, oui, j'avoue, pourquoi il y a des flobbers qui sont en rond juste ici? Ça cache sûrement quelque chose, mec. C'est clairement quelque chose de très... attends, what? Regarde, je viens de trouver une bouteille avec un message à l'intérieur. Attends, ok. Il semblerait que là où se trouve une couleur qui s'illumine, on peut y retrouver quelque chose juste en dessous. Attends, mais c'est sûrement la pelle, mec. Ouais, ouais, mais gros, vite, trouve-moi une pelle qu'on puisse sortir d'ici parce que ça me devient vraiment très, très lugubre. Regarde, j'ai trouvé une torche, mec. On va pouvoir s'éclairer parce que c'est vrai que c'est très, très sombre par ici. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais où pourrait se cacher? Oh, gros, une énorme pelle. Là, vas-y, vas-y, on la récupère. C'est parti. Hop, hop, et... voilà. Ok, c'est bon. J'ai récupéré la pelle. Maintenant, du coup, on va pouvoir essayer d'aller creuser et voir si on peut y trouver quelque chose, mec. Bien sûr, attends, mais on va aller voir près de la famille Flaubert pour voir s'ils nous indiquaient bel et bien un trésor. Par contre, Jean-Fils, est-ce qu'on peut reprendre un Flaubert sur le bateau si on s'échappe d'ici? Non, mais c'est une espèce en voie de disparition. Attends, du coup, on va creuser à l'aide de la pelle. C'est quoi? Okay. What? Oh, c'est la corde! C'est la corde! C'est la corde qui va nous aider à construire notre radeau. Regarde, mec, notre radeau, il est trop bien. Regarde comment j'ai bien construit. Tu trouves que j'ai bien fait mon travail? Mais tu vois bien qu'il manque quelque chose, mec. Il nous manque du papier pour faire la voile. Oh là là. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut une voile, ça marchera jamais comme ça. Mais attends, j'avais vu des lumières un petit peu bizarres par ici. Gros, regarde. C'est quoi cette lumière, mec? C'est complètement horrible. Mais gros, une piste de danse, mais j'ai carrément envie d'y danser. Bah, moi aussi, okay, en fait, quand je vois une piste de danse, j'ai clairement envie de danser. Attends, vas-y, je vais faire ma petite danse dans la tête comme ça. Et attends, à chaque fois qu'on danse, du coup, ça fait apparaître quelque chose. Ah, what?
Bah vas-y, attends. Attends, micro. Je rush. Oh non, ça a disparu. Non. Attends, mais c'est bizarre quand même. Oui, mais attends, à mon avis, je dois aller danser de plateforme en plateforme. Ah ouais, c'est sûrement ça, mec. Vas-y, dis-moi, vas-y, va danser sur une plateforme. Ok, vas-y. Je fonce. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, hop, allez, hop, je saute. Vite. Non. Oh oui, c'est bon, j'ai réussi. C'était chaud, oh, le bow. Ok, attends, je fonce sur l'autre. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, ok. Oh, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Et du coup, hop là, c'est bon. Oh, il y a un immense crâne, une tête de mort, gros. C'est clairement horrible. Oh, il y a du papier juste ici. Ok, c'est bon, je peux récupérer le papier. Let's go, gros. On va pouvoir finaliser notre radeau et pouvoir s'échapper de cette île déserte. Magnifique. Attends, je suis en train de construire la voile. Hop, je la mets là. Un petit morceau de papier là. Hop, 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 hop. Notre voile, elle est prête, Jean-Pis. Ouais, attends-moi, parce que là, gros. Oh, ok, c'est bon, j'arrive. Je suis là, présent. Ok, c'est bon. Oh, gros, mais regarde comment il fait noir sur le bateau. C'est horrible. Ok, c'est bon, Nobo. Le jour vient de se lever. Regarde notre radeau. Il est juste là, les gars. On va pouvoir piloter ce radeau. C'est vraiment génial. Mais Nobo, avant qu'on pilote et qu'on rentre chez nous, les gens, ils doivent faire quoi, ceux qui ne sont pas encore abonnés? Ils doivent absolument s'abonner tout de suite. C'est d'une importance capitale. Les gars, abonnez-vous. C'est très important. D'ailleurs, grosse dédicace à cette personne qui vient tout juste de s'abonner à ma chaîne YouTube. Si toi aussi tu veux une dédicace dans la vidéo de demain, clique sur le bouton rouge s'abonner. Et voilà, Jean-Fils aussi. Pendant que tu étais en train de demander aux gens de s'abonner, du coup, j'ai construit des boutons. En fait, c'est tout un mécanisme. Ici, tu peux avancer avec le bateau et là mettre pause au moteur. Et moi, ici, je peux reculer en arrière. Oh, d'accord. Mais mec, c'est vraiment très sophistiqué ce que je suis en train de voir. Attends, mais c'est moi où je vois des ignoules là-bas? Oh non, c'est oui, pas possible. Effectivement, les indigènes ont placé des ignoules bougeants. Attends, je mets pause au bateau. Ok, doucement. Doucement. Ok, fais attention. Oh, gros, okay. J'ai peur, gros. Il a l'air vraiment horrible. Vas-y, maintenant, avance. Non, attends. Maintenant, hop là, c'est bon. Oh, il a failli le toucher. Oh, gros, il y a un crâne qui sort de l'eau. Il y a un crâne qui sort de l'eau, gros. Oh non. Attends, vas-y, attends, essaye de le pré-shot correctement. Attends, je vais pas tout de suite, gros. Il est où? T'es sûr qu'on est pas dessus? Vas-y, avance. Là. Ok, là, il faut que tu t'arrêtes. Maintenant. Ok, je m'arrête. Okay. Attends, et là, hop, là, c'est parti. C'est incroyable. Attention, on est nu phare. Hein. Attends, hop. Le bon timing, c'est parti. Maintenant. Ok, hop, ça là. Passe. Et là, niveau timing, on est bon là, mec. Hein. Attention, parce qu'ici, il y a un truc, hein. Ok, là. Ok, c'est vrai. Ok, je vois. Oh, la civilisation, regarde. Il y a chez nous, il y a notre hôtel préféré juste là-bas. Oh, je veux entrer à l'hôtel, s'il te plaît. Oh, gros, par contre. Oh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oh, c'est le Vandervalk en face, mec. Je veux trop aller au Vandervalk. Oui. J'ai passé des bonnes nuits de sommeil là-bas. Attends, mais fais attention, pique. Oh, t'inquiète, je gère la situation. T'es sûr de toi là? Non, tout ce que non, tu fais. Non, je ne suis pas sûr. Oh, juste là. Let's go, mec. On va pouvoir rentrer chez nous, mec. Et oui, passer. Parfait. Ouais, let's go. Hop. Yes, la chambre d'hôtel. Let's go, les gars. On a réussi à s'échapper du triangle des Bermudes. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. C'est extrêmement important et pourra pas être annoncé la prochaine. Tchuss.